Ouvrir un compte courant et avoir une carte bancaire en seulement 8 minutes, c'est possible. On va voir ça tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais vous présenter N26. Alors, c'est très simple. Il y a quelques mois, j'ai eu un problème avec ma banque. Ma conseillère a fait opposition à ma carte bleue. En gros, je pouvais pas payer par carte bancaire ni retirer de l'argent. Et ce problème, ça a duré environ un mois. Mais j'ai été sauvé par N26, puisqu'avant ce problème, j'ai commandé donc une carte N26. Mais je m'en étais jamais servi, donc j'ai dû faire un virement sur cette carte. Il faut savoir que N26 est une vraie banque, avec une licence bancaire. Les avantages sont qu'il n'y a pas de frais d'ouverture et de tenue de compte. Et il n'y a pas de frais sur les paiements en devises étrangères. Donc ça peut être super intéressant pour ceux qui voyagent. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à chaque activité, tu vas recevoir une notification. Je vais te montrer, par exemple, tout à l'heure, j'ai acheté une petite batterie pour mon appareil photo à la Fnac. Et donc, forcément, je reçois la notification au moment du paiement. Quand je vais retirer, je vais vous montrer un petit exemple après, eh bien, je reçois la notification avant limite que les billets sortent. Et ça, c'est vraiment top. Bon, eh bien, c'est parti. Donc, au distributeur, mon téléphone est posé juste ici. Je vais mettre ma carte N26. Demandez, comme d'habitude, hein, le mot de passe. Donc, 4 chiffres que j'ai moi-même personnalisé. Ici, je vais demander un retrait, par exemple. Je vais demander 20 euros. Là, je vais pas demander de ticket. Et vous allez voir, donc, les billets sortent. Et en même temps, je reçois donc la notification. Retirer de l'argent, plutôt. C'est un peu galère avec une main. J'ai mes 20 euros. Nickel. Votre retrait de 20 euros chez BNP, encore, a été traité avec succès à 15h58. Le 09-01-2018. Voilà, c'est vraiment mais super efficace. N26 est aussi compatible avec Apple Pay. Grâce au système MoneyBeam, tu vas pouvoir faire des virements à tes amis qui eux aussi ont N26. Et ça se fait en fait en direct, un peu comme PayPal. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose de super bien. Quand je fais des virements sur cette carte, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend environ un jour ouvré. La banque traditionnelle, c'était hyper long et je pense que je suis pas le seul à le penser. Pour ouvrir ton compte, c'est hyper rapide, ça prend environ 8 minutes, il suffit d'avoir l'application. Après, ils vont demander quelques petites procédures comme ta pièce d'identité, etc., etc., ce qui est tout à fait normal. Et puis après, c'est bon. Tu peux même le faire sur ton canapé un dimanche matin. Ah, chérie, est-ce que tu savais que là, depuis mon canapé White Now, je peux commander une carte de paiement en ligne. L'application, elle est simple et intuitive. Donc, quand tu ouvres l'application, tu retrouves le suivi de tes dépenses. Alors, par exemple, ici, je suis à 44,55 €. J'ai fait un retrait donc à la BNP, ce genre de choses, manger à brioche dorée, blablabla. Et par exemple, si je monte un petit peu, j'ai fait un virement de 100 €. Donc, forcément, après, en fait, ça se met automatiquement à jour. Donc, ça, c'est super bien. Le deuxième onglet est une page de statistiques pour savoir dans quoi tu dépenses ton argent. Alors le plus permet de demander de l'argent, d'utiliser donc Moneybean par exemple ou de faire un virement. Directement depuis l'application et en temps réel, on peut bloquer, débloquer sa carte. C'est très pratique si par exemple ta copine prend ta carte bleue pour faire du shopping. Ou même si tu perds ta carte bancaire, autoriser ou bloquer les paiements en ligne, les retraits, les paiements à l'étranger et modifier ses plafonds. Et le gros plus, c'est que tu peux personnaliser le code de ta carte. Il y a plusieurs formules disponibles. Le compte N26 qui est le compte courant gratuit, c'est ce que j'utilise actuellement. Le compte N26 Black qui est à 5,90 € par mois avec engagement. Mais qui propose en plus une carte et une assurance Mastercard Black. Bref, je suis super content de pouvoir vous présenter cette banque mobile. Ça fait environ 4 mois que j'utilise et aucun souci, je reçois toutes les notifications, je peux personnaliser un peu comme je veux au niveau de l'appli et le mot de passe par exemple de ma carte bleue. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages, il y a très peu de frais, c'est rapide et très efficace. Boum, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.